Bisous, les enfants. Chérine, je vous apporte une pomme. Tu m'apportes une pomme. Merci beaucoup. Hey, moi aussi, Chérine, mademoiselle. Mm. Moi aussi, je vous en ai apporté une pomme. Vous êtes fines toutes les deux. Merci. Oui. Moi, chez nous, on n'avait pas de pommes. Fait que j'ai apporté des gommes ballons. Oh. Je mange pas ça, de la gomme ballon. Correct, moi, le manger, moi. Moi, j'en fais. Oui. Assoyez-vous. Eh bien, bonne. Elle est bonne. As-tu? Jeune homme, assoyez-vous. T'as moi parlé? Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis Mademoiselle Jeannotte, votre nouveau professeur pour cette année. Maintenant que vous savez mon nom, j'aimerais connaître le vôtre. Toi, ma jolie. Tu t'appelles comment? Dans la cour d'école, on m'appelle Nick-Nick. Bon, Nick-Nick. Laisse faire Nick-Nick. Comment est-ce que ta maman t'appelle à la maison? Ben, elle m'appelle Nicole. Ben, c'est comme ça qu'on va t'appeler ici, Nicole. Voilà, ma jolie. Comment est-ce que ta maman t'appelle? Moi, ma maman, elle m'appelle Danielle. Danielle, c'est un joli nom. Ah! Et toi, le petit nerveux derrière, là, comment est-ce que t'as... comment? Nerveux. Oh, pas ça, j'avais compris. As-tu des ballons? Mademoiselle Jeannotte est polie. Ah ouais. Comment est-ce que ta maman t'appelle quand elle veut te voir? Elle m'appelle le petit maudit, viens ici. Il est drôle, là! Elle a bien raison, mais c'est pas comme ça que je vais t'appeler. C'est quoi ton vrai nom? Je m'appelle Robert. Robert! Alors, maintenant que je sais vos noms, je vais vous poser quelques questions pour savoir où vous êtes rendu dans le système scolaire. Rendu dans votre classe. Alors, on commence par toi, Nicole. Où a été signé le traité de Versailles? Ah ouais, il répond qu'on s'en aille. Je sais pas! Hé, toi, lâche-moi pas l'air! Ben, lâche-moi, le Nicole! Lâche-toi, la grosse! Hé, moi, je le sais, mademoiselle! Bon, Daniel, où a été signé le traité de Versailles? En bas de la page, mademoiselle! Vous avez chacune zéro! Robert, arrête! Mais ça fait combien de temps, combien de fois que vous doublez votre cinquième année? Toi, Nicole? Un, deux, trois... Quatre fois. Quatre fois? Quatre fois. T'as doublé quatre fois? Et toi, Daniel? Toi, t'as doublé quatre fois? Oui. Mais d'abord, moi, j'ai doublé cinq fois! Ah! T'as doublé cinq fois? Oui! Hé, là, c'est rien, j'ai doublé huit fois, moi! Ah! Huit fois? Mais vous êtes pas tanné d'être en cinquième année. Les questions d'examen sont pourtant simples. Oui, mais par contre, regarde l'âge qu'on a. Regarde l'âge, j'avais, vous êtes encore en cinquième, bon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que les questions d'examen étaient très simples. Les questions sont simples, mais les réponses sont tough. Fait que si vous nous donniez les réponses, on pourrait vous donner les questions. Bon, peut-être que vous êtes meilleure en mathématiques, alors Nicole. Oui, bien meilleure. Une question pour toi. Nicole, je te parle, s'il vous plaît. C'est ma première journée. Oh, excusez-moi, Nicole. T'as six pommes et tu veux les partager avec deux de tes petites amies. Comment fais-tu? J'ai six pommes. Et vous êtes? Les trois. Oui. Alors, comment fais-tu pour que tout le monde ait la même quantité de pommes? Ben voyons. Je fais... de la compote! La compote! Oh, oh, oh. Zéro! Quand? C'est des gommes! Elle gaspille des pommes! Bon. Maintenant, à toi, Daniel. Oui? Récemment, ton père a décidé de se faire poser le téléphone. Il y a 300 pieds de la route à chez vous. Oui? D'accord? 300 pieds. Et on pose un poteau par 100 pieds. Alors, combien de poteaux ont-ils dû poser pour se rendre de la route à chez vous? Ils n'en ont pas posé pantoute, ils étaient en grève. Zéro, toi aussi. À toi maintenant, Robert. Alors? Non. C'était vous qui posez les questions. Oui, c'est vrai. Puis autres, si on vous en posait des questions, vous êtes forte en mathématiques, vous? Pas de problème. Ben, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de derrière. Donc, pose-moi ton problème de mathématiques. Vous en posez. Je réponds. Vous êtes capable? Oh, je l'ai eu, madame. Une ballonne? Pas des ballons. Disons que. Il y a 15 oiseaux sur une branche.
15 oiseaux sur une branche. Non, 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 pas de crayon. Ouais. 15 oiseaux sur une branche. Il y en a 8 qui décident de partir. Il en reste combien? 7. Non. Il en reste 15. Ils n'ont rien que décidé. Ils sont pas partis encore. Ça, t'es drôle! Yeah! D'accord. Où est-ce que tu vas, toi? On va pas nulle part. Moi, mademoiselle, je suis en retard. C'est quoi ton nom? Moi? C'est Gaston. Bon, ben, Gaston, assieds-toi, j'ai une question à te poser. Ben, écoutez, non, discute pas, assieds-toi, réponds à ma question. En quelle année Jacques Cartier est-il venu au Canada? Y es-tu venu? Y es-tu né? Voyons. Maintenant, fais-moi une phrase avec bûcheron. Ah, ça, je le sais. Tous ceux qui ont bu seront chauds! Ben, il est niaiseux, lui! Taisez-vous, là! Qu'est-ce que tu sais de la guerre d'Espagne? Rien. Non. Ben, qu'est-ce que tu sais des guerres puniques? À rien. Ben, tu sais rien, mais qu'est-ce que tu fais à l'école? Moi? Je suis venu réparer le radiateur. Je suis le plombier.